Trois exercices à essayer si tu as de la douleur à l'intérieur de ton tibia ici après avoir couru ou fait plus de sauts que d'habitude. Périostite médiale. Donc, ce qu'on veut, c'est faire de l'automassage. Mais au lieu de faire cette technique-là qu'on voit souvent, on va aller mettre le foam roller en dessous de la cheville. Puis je vais prendre un bâton plus rigide pour me masser. Je vais aller en point de pression au lieu de rouler. Donc, je fais un point de pression. C'est normal que ça soit douloureux. Je bouge ma cheville tranquillement aller-retour. Je peux me rendre jusqu'à 2 minutes comme ça. Une fois que j'ai fait mon automassage, je vais aller étirer les muscles responsables de la douleur. Donc, je vais aller prendre mon pied dans mes mains comme ça, tirer vers l'extérieur et vers moi. En étant à côté sur ma cuisse, comme ça, ça va me donner plus de force. Je vais tirer avec mon autre main aussi. Je vais sentir l'étirement ici derrière. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller étirer aussi mes fibulaires de l'autre côté pour retrouver un peu de supination dans mon pied. Donc, je tire mon pied vers l'intérieur, encore en étant à côté, puis vers moi avec mon autre main. Je vais le sentir ici. Pas comme ça, mais bien vers toi. Essaie ça pendant 1 à 2 semaines, au moins une fois par jour. Tu devrais voir une bonne amélioration.